Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau de NCI Sport. Et bien, très heureuse de vous retrouver pour une heure de sport. Oui, on va bavarder ensemble pendant une heure. Toute l'actualité sportive de la semaine sera passée au crible grâce à nos consultants Nasser Eddy et Oussou Israël. Bonsoir messieurs. Bonsoir, bonsoir Pierre. Et dans un instant, eh bien, nous irons en France. Oui, on prendra la direction de la France hein, pour retrouver Malick Traoré qui nous donnera les premières informations sur les éléphants à quelques jours hein, des deux matchs amicaux face au Bénin et à l'Uruguay. Eh bien écoutez, voilà, je ne vous fais pas languir davantage. Voici tout de suite le sommaire complet de ce numéro de NCI Sport. Ce lundi dans NCI Sport, plus d'un mois après leur sacre à la CAN, les éléphants sont de retour sur les terrains. Dans quelques jours, ils affronteront le Bénin et l'Uruguay. Toutes les infos de cette trêve internationale avec Malick Traoré depuis la France. Après la CAN, la gestion des infrastructures au centre des préoccupations. Comment entretenir efficacement l'héritage de cette CAN? En quête d'une deuxième consécration continentale, la SEC Mimosa affronte l'Espérance de Tunis en quart de finale de la Ligue des champions de la CAF. Un bon tirage pour les Mimos. Dans les pas d'Oli La Machine et Fabrice Niedré, une jeune dame qui veut s'imposer dans les sports de combat. Nous irons à la découverte de Bakan Kwasi. Et voilà, gros programme en perspective. En tout cas, merci hein, d'être aussi nombreux à nous suivre tous les lundis soirs de 20h30 à 21h30 sur NCI. Eh bien, on y va tout de suite avec la première information qu'on va développer ce soir dans le cadre de la fenêtre FIFA de mars. Eh bien, les éléphants sont en France pour un stage qui aboutira à deux matchs amicaux. Les champions d'Afrique affronteront le Bénin samedi, puis l'Uruguay le mardi 26 mars prochain. Deux matchs à suivre en exclusivité et en direct, hein, bien évidemment, sur NCI. Et à cette occasion, eh bien, Malick Traoré est en France. Bonsoir Malick, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir Tia, bonsoir Coach Oussou, bonsoir Nasser, je vous entends très très bien. Bon, alors, on espère qu'il n'y a pas trop froid, hein, déjà, du côté de la France. Alors, est-ce que tous les éléphants convoqués hein, par Emers Faé sont au lieu de rassemblement? Et surtout, quelle est l'ambiance qui prévaut au sein du groupe? Ben écoutez, encore une fois, il y a une ambiance, il y a beaucoup de sérénité ici. Maintenant, pour répondre à votre question, malheureusement, non, tous les éléphants n'étaient pas présents. Déjà, dans un premier temps, en général, quand on fait des rassemblements, forcément, entre ceux qui jouent le samedi, ceux qui jouent le dimanche, on n'a pas les joueurs au même moment. Et en plus de ça, ben, on a des absents pour la faute à des blessures. Je pense à Evan Ndika, Ibrahim Sangaré, qui ont constaté des gênes à l'entraînement. Et puis, on a pas non plus un certain Seko Fofana. Alors, Seko Fofana, forcément, quand on parle de Seko, en général, on se dit, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a un problème? Non, il n'y a aucun problème. Il avait très envie, surtout, d'être présent, notamment sur le match face à l'Uruguay le 26 mars à Lens. Évidemment, une pelouse de Bollard qu'il connaît très bien. Mais voilà, vu qu'il a... Il a constaté une gêne au niveau il a contracté peut-être une blessure au niveau du pubis. Il a préféré se préserver. Et voilà, le staff a décidé de partir sur trois autres profils. Un profil qu'on connaît moins bien, il s'agit de Kader Keïta. C'est un jeune qui joue du côté de Cluj. Emers Faé connaît bien parce qu'il était du côté des U23. Il a notamment participé aux Jeux Olympiques, aux derniers Jeux Olympiques. Évidemment, Zouzoua Pacom, le joueur des Young Africans, qu'on connaît bien aussi à l'échelle nationale, évidemment. Et puis, on a un dernier profil, en l'occurrence Emmanuel Agbadou, qui s'est signalé sur les derniers matchs avec notamment sa magnifique passe décisive pour Omar Diakité. C'était au Parc des Princes avec ce match nul de but partout. Bref, c'est vrai qu'on a des absents, mais on a quand même un effectif de qualité. Et puis, à noter que pour cette première journée, où on avait prévu un entraînement à l'extérieur, vu qu'on n'avait pas tout l'effectif, on a préféré s'entraîner en salle. Il y avait quand même une belle température aujourd'hui sur la région parisienne, 17 degrés. Mais comme quoi, on est venu vraiment pour se préparer pour ces deux matchs et pour l'échéance des éliminatoires de la Coupe du Monde à partir de juin et non pas pour profiter du beau temps à Paris. D'accord. Alors, quel est le programme justement des éléphants avant ces deux matchs amicaux, Malick?
Des entraînements, un entraînement avec tout l'effectif demain, à part les trois joueurs absents dont on a parlé, il y aura un entraînement déjà dès demain. Ensuite, ça va continuer mercredi et jeudi, vendredi. Ça va être une grosse journée également. Et là, on aura l'occasion d'être aux côtés, évidemment, de ces éléphants-là pour vous proposer des petites infos encore plus croustillantes. On sera à la veille, évidemment, du duel entre la France, la Côte d'Ivoire, pardon, excusez-moi, et le Bénin. Ensuite, le match mardi, évidemment. Ce qui est sympa, c'est que finalement, du côté de, pour ce duel entre la Côte d'Ivoire et le Bénin, la Côte d'Ivoire connaît très bien Amiens. La dernière fois, ça nous avait souri. C'était au mois de septembre 2022. On avait battu aisément à ce moment-là la Guinée. Et puis, bah, du côté de Lens, forcément, Lens, ça parle à beaucoup de joueurs africains, ça parle à beaucoup de joueurs ivoiriens. On pourra en citer pêle-mêle, Kalé Kanga, Sékou Fofana malheureusement absent, Serge Aurier qui a été formé dans le Nord, Haruna Dendané, notre manager général, forcément passé par là, comme Bonaventure Kalou. Bref, Lens, c'est un très très bon souvenir. On a hâte de retrouver ces éléphants-là face à la Céleste, qui, je rappelle, c'est un gros 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 morceau, deuxième en ce moment du classement des qualifications pour la Coupe du Monde, derrière l'Argentine tout de même. Alors Malik, on attend toujours hein, la signature d'Emers Faé. C'est fait ou c'est pas encore fait? Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Écoutez, on est en très très bonne voie, très très bonne voie évidemment. Je sais que c'est un sujet qui suscite beaucoup de passion, beaucoup de questions, mais en tout cas, a priori, une information devrait, on devrait avoir une confirmation de tout ça d'ici quelques jours. Donc en tout cas, tout est en bonne voie. Emers Faé va continuer l'aventure avec les éléphants, Guy Demel, le staff, etc. Voilà, on avait beaucoup de rumeurs auparavant. On parlait de 2 ans de contrat, plus 2 ans en option. On verra bien ce qu'il en est, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les Ivoiriens se rassurent. Emers Faé va continuer évidemment avec Guy Demel et on devrait avoir une belle suite pour ce duo qui nous a ramené une troisième étoile continentale. Bon, en plus, bon, vous avez un petit peu appréhendé ma prochaine question. Je voulais parler justement du staff technique hein, qui allait accompagner Emers Faé. Donc, on reste vraiment sur les mêmes hommes ou il y aurait a priori quelques changements? A priori, on resterait sur les mêmes hommes, mais encore une fois, on a toujours beaucoup de bruit de couloir. On parle peut-être de nouveau, d'un nouvel entraîneur des gardiens avec des noms d'anciens, pardon, internationaux qui Internationaux, circulent oui. ça et là. Ouais, je vais y arriver. D'anciens internationaux, ça et là. Mais bon, on n'est pas au lieu de rester dans l'ordre de la fiction, on va tout simplement attendre que ce soit officialisé. Mais encore une fois, moi, ce que je voulais vous dire encore une fois, pour les avoir vus encore une fois, certains membres du staff et des membres un petit peu du COMEX, il y a beaucoup de sérénité et on a vraiment envie de préparer au mieux ces qualifications pour la Coupe du Monde parce que, évidemment, après avoir gagné la CAN, on a envie de revenir en Coupe du Monde pour la première fois depuis 2014 et pas seulement de se qualifier, c'est d'enfin aller au deuxième tour. Absolument. Alors Malik, bon, c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses hein, du côté de la France parce que il y a nos champions d'Afrique qui sont là, mais il y a également les U23 hein, qui affrontent la France vendredi. Est-ce que vous avez des infos pour nous? Bah écoutez, préparation tranquille avec un premier entraînement aujourd'hui. D'ailleurs, on avait aperçu durant ce petit voyage un certain Abdelhamidité qui suit de près cette sélection évidemment. On a une belle sélection privée de certains joueurs. Je pense à Moïse Saïdion, David Datro qui n'était pas appelé sur ce rassemblement. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce match évidemment aura lieu face à une très belle équipe de France. On est parti Thierry Henry avec les meilleurs espoirs aujourd'hui, la génération 2001, etc. Match la veille du duel entre la Côte d'Ivoire et le Bénin. Ce sera aux alentours de 17h30, il me semble, ouais, 17h30 GMT, 18h30 heure française. A priori, vous savez, il y a une info, enfin, peut-être pas une info, en tout cas, il y a un profil qui fait forcément parler, celui de Mohamed Diomandé, Oui, mais le justement. joueur des Glasgow Rangers. Bah écoutez, il avait le choix forcément entre les U23 et la sélection A du Ghana. Il faut savoir que c'est un joueur qui connaît bien le Ghana parce qu'il a vécu 8 ans au Ghana. Et à la question peut-être aussi de faire un choix entre être pour l'instant encore une fois un espoir avec les éléphants de Côte d'Ivoire et une sélection A avec le Ghana avec un nouveau sélectionneur Otto Addo qui a une grosse cote, qui est un ancien international qui a une bonne formation en Allemagne. Je pense qu'il va privilégier la sélection ghanéenne. Après, encore une fois, j'ai envie de dire que dans ce secteur de jeu, on a tellement de pépites, on a tellement de monde. C'est vrai que c'est un profil dont on aurait aimé
pouvoir compter, aussi bien avec les espoirs qu'avec les A, et quelqu'un qui fait une très belle saison du côté des Glasgow Rangers. Mais il a peut-être, encore une fois, il pourrait, j'ai même envie de parler au conditionnel, privilégier la sélection A ghanéenne. Affaire à suivre encore une fois. D'accord, ben merci beaucoup hein, Malik pour toutes ces infos. On vous retrouve samedi pour le premier match amical face au Bénin. Exactement, et surtout il faut rappeler aux Ivoiriens que c'est plus les écureuils, c'est les guépards, avec un entraîneur d'expérience, Gernot Rohr. Mais ça va être une belle fête avec un public ivoirien qui va sûrement se déplacer parce qu'il y a une grosse hype autour des éléphants ici en France évidemment. Ben merci beaucoup. Allez, ne vous enrhumez pas hein, surtout, hein, parce qu'on a besoin de vous, on vous attend ici à Abidjan. Exactement, je vais essayer de rester couvert du mieux que je peux. D'accord, allez bonne soirée Malik. Bon, et ben voilà, beaucoup d'informations hein, grâce à Malik Traoré qui est actuellement en France, donc qui est vraiment à côté hein, des éléphants. Et on vous rappelle que les deux matchs amicaux seront à suivre sur NCI. Voilà, alors messieurs, qu'est-ce que vous retenez hein, justement des informations données par Malik Traoré? Ben déjà on a les forfaits malheureusement dans cette liste avec notamment Ibrahim Sangaré qui ne sera pas là. Après, moi, je vois qu'on s'éloigne de plus en plus quand même de la liste initiale qu'on avait souhaitée, c'est-à-dire avoir les mêmes que les... avoir les 25 des 27 champions d'Afrique. Là, avec l'intégration de Guéla Doué, avec les forfaits de Haller au départ et puis de tous ces blessés-là et les quatre qui ont suivi aujourd'hui, je me demande, est-ce qu'il n'aurait pas fallu pour Emers Faye de carrément composer sa liste à lui avec ses joueurs préférentiels plutôt que de vouloir reconduire forcément une liste de champions d'Afrique. Oui, ou sous Israël. D'accord avec Eddy, mais je pense aussi qu'il ne pouvait pas prévoir le sélectionneur après tous ces péripéties autour de la sélection. C'est clair qu'il est obligé après de les remplacer, mais il fait quand même de bons choix. On a Agbadou qui, sur ses dernières prestations, a montré de très bonnes choses. Donc, qui, moi, pour moi, en remplacement de Ndika, c'est logique. Mm-hmm. Après, on a Zouzoua. On a Zouzoua qui, pour moi, j'aurais même espéré le voir dans la liste pour la CAN, vu les dernières performances, vu déjà ce qu'il avait montré auparavant, avant de partir déjà en Tanzanie. Donc, je pense que lui faire la place belle de l'appeler en remplacement, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal de l'intégrer. Ça montre aussi que des joueurs peuvent jouer ici en Afrique et être appelés en sélection. Celui que je ne connais pas assez, c'est Kader Keïta ouais. Que je ne connais vraiment pas assez. C'est clair qu'on dit qu'il a été avec les U23, mais je ne connais pas assez, donc je ne peux pas me prononcer. Mais je pense que s'il fait le choix sur Kader Keïta, c'est peut-être parce que c'est quand même un joueur de talent. Sinon, mm-hmm. lui, je pense qu'on aurait pu aussi appeler d'autres joueurs qui sont pas mal en ce moment, mm-hmm. qui auraient pu aussi être appelés. Ouais, des infos sur Kader Keïta? Bon, on le connaît plus ou moins quand mm-hmm. même. C'est vrai qu'il joue en Roumanie. Ce n'est pas un championnat qui est vraiment médiatisé, suivi ici. Mais il rôde depuis pas mal de temps quand même avec les différentes sélections ivoiriennes. Il était au JO, Malik l'a rappelé tout à l'heure, à Tokyo. Donc, il y a longtemps aussi que son nom circule pour pouvoir intégrer les A au même titre que Zouzoua, Pacom également, dont Emers Faye, avec qui j'avais pu échanger un peu, m'avait dit que même pour la CAN, ils avaient... pas mal hésité pour Pacom Zouzoua. Hein. Mm-hmm. Ton souhait n'était pas loin, mais malheureusement, il n'y était pas. Et c'est bienvenu que ces joueurs-là intègrent enfin la sélection parce qu'il ne faut pas oublier qu'après le titre de champion d'Afrique, c'est un nouveau chapitre quand même qu'on ouvre. Absolument, absolument. Alors, on vous rappelle, hein, donc c'est deux matchs amicaux, samedi face au Bénin et mardi prochain face à l'Uruguay. Et deux matchs à suivre sur NCI. Voilà. Allez, passons à autre chose, si vous le voulez bien. Après l'organisation réussie hein, de la CAN 2023, place à la gestion de l'héritage. Une mission qui reviendra jusqu'à preuve du contraire à l'Office national du sport qui a organisé un atelier sur la gestion des infrastructures sportives. Les 6 et 7 mars dernier, eh bien Antoine Mahon, Armel Yao et Moon nous donnent ici les grandes recommandations de ces deux jours de réflexion. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, mémorable, conclue par le sacre des éléphants. Très attendue, la Côte d'Ivoire a su relever le double défi de l'organisation et du résultat sportif. Nous avons réussi à organiser la plus belle des CAN. Je peux vous assurer que nous allons réussir la plus belle des périodes après CAN de l'Afrique. Passer les moments de réjouissance
le pays doit trouver les solutions pour pérenniser les acquis hérités de la compétition. Pour éviter le phénomène des éléphants blancs, comme ce fut le cas après la CAN 2017 au Gabon, les JO de 2008 et 2016 en Chine et au Brésil, l'Office national des sports a décidé de prendre le taureau par les cornes. Un mois après la CAN, l'Office organise un atelier de réflexion avec pour thème la stratégie de gestion des infrastructures civiles, de l'État et de gouvernance, l'ONS face aux nouveaux défis. Le contexte a changé parce que nous avons de nouvelles infrastructures, nous avons des complexes et il faut pouvoir intégrer ces nouvelles infrastructures dans de nouveaux paradigmes en matière de gestion, dans un nouveau modèle économique en matière de gestion des infrastructures à l'ONS. Plus de 80 personnalités venues de la primature, du mouvement sportif, des ministères des fédérations sportives, du comité d'organisation de la récente Coupe d'Afrique ont cogité. C'est un pari que le COCAN a pris en réfléchissant de manière avant-gardiste sur l'héritage de la CAN. C'est un pari que le COCAN, la Côte d'Ivoire, le gouvernement, les sectoriels doivent construire et planifier. Après deux jours de travaux en atelier, les participants ont consigné les résultats de leurs réflexions dans une matrice dévoilée ici par l'inspecteur général Célestin Touré Nambo. Le renforcement des structures et du cadre réglementaire de l'Office national des sports pour une meilleure gouvernance des infrastructures sportives par la transformation des départements en direction centrale, la création d'une direction des affaires juridiques et de la coopération, le modèle économique pour la couverture des charges de maintenance et d'entretien des infrastructures sportives est axé sur la mise à disposition des stades et des terrains d'entraînement pour des compétitions nationales et internationales, la mise sous gérance des différentes cités et de l'hôtel CAN à travers un appel d'offres ouvert dans le cadre du partenariat public-privé. En ce qui concerne l'exploitation des infrastructures, les dirigeants de fédérations de football, athlétisme, sont les grands bénéficiaires de l'héritage de la CAN 2023. Ils savourent et attendent le feu vert. Ma joie est immense parce que lorsque nous regardons un peu dans le rétroviseur, cela, il y a deux ans de cela, il était très difficile pour nous de pouvoir bénéficier des infrastructures pour s'entraîner, et développer et réaliser la performance. Et là, Talou est là pour 14 jours, pratiquement deux semaines. Et imaginez-vous qu'on n'avait pas ces stades. Et donc, c'est une joie pour nous de pouvoir bénéficier de ces infrastructures. C'est vraiment du pain béni parce que nous avons prévu un plan quadriennal depuis 2020 qui nous permet de valoriser et de monter en puissance avec nos équipes nationales. Mais pour ce faire, il nous faut un espace et un lieu. C'est pour ça que nous avons d'ailleurs demandé l'acquisition d'un stade dédié au rugby que nous allons l'exploiter avec bien sûr un écosystème tout autour qui permettra à la fédération de mettre en valeur et d'organiser des activités d'envergure internationale. Nous sommes les plus gros bénéficiaires maintenant. Il faut voir comment pouvoir gérer toutes ces infrastructures, comment les exploiter, j'allais surtout dire, pour que d'ici quelques années, on n'ait pas à les regretter. Présent lors de la cérémonie de clôture, le ministre délégué en charge des sports et du cadre de vie, Adjei Silas Metch, a salué la qualité de ses recommandations. C'est pour cela qu'il a appelé à leur mise en œuvre pour une gestion efficiente des stades et des cités CAN. Les infrastructures ont des réalités particulières et un environnement singulier. Bien entendu, ces recommandations aussi pertinentes les unes que les autres ne seront utiles que si elles débouchent sur un plan opérationnel ambitieux et réaliste. C'est en cela que j'invite chacun d'entre nous à traduire en action
le fruit de vos réflexions. Au sortir de cet atelier, l'ONS se dit armée à relever le défi de la pérennisation de l'héritage. Alors messieurs, qu'est-ce que vous pensez justement de cette initiative du ministère des Sports et de l'ONS? On commence avec vous, Ousou Israël. Très belle initiative. J'en parlais récemment avec des personnes du foot. On se demandait si, en termes de gestion de ces infrastructures, on aurait quand même des personnes adéquates pour gérer véritablement ces infrastructures. Parce que quand on sait que la plupart du temps, dans ces pays où ont été organisées les CAN, même d'autres compétitions internationales, il y a eu toujours ce problème après les compétitions dans la gestion des infrastructures. Et nous, on en a besoin, surtout nous, les hommes du football, on a besoin d'avoir de très bons terrains comme ça pour permettre le développement du football en Côte d'Ivoire. Donc c'est une très belle initiative. Maintenant, il faut trouver les moyens. Il faut trouver aussi les personnes, comme je dis, des personnes ressources, des spécialistes du domaine pour véritablement tenir ce projet-là. Mmh. Alors, vous êtes rassuré, Nasser Eddy, ou pas ? Plus ou moins. C'est un sujet qui me tient tellement à cœur. Mais déjà, je suis rassuré par le fait que l'on ait pris conscience très tôt. Ce n'est pas le premier séminaire. Il y a déjà eu un séminaire que le COCAN avait organisé en juin 2023, l'année passée, à Grand Bassam, là-dessus. Donc, très tôt, on a commencé à penser à l'après-CAN, parce que ce que le Gabon a connu, la Guinée équatoriale, également, et on a vu même des JO dans des pays plus ou moins développés comme la Chine et le Brésil, les infrastructures partent en cacahuète après la compétition, c'est pas normal. Alors ici, c'est vrai que la gestion des infrastructures post-compétition dans des pays où l'économie sportive, et en l'occurrence ici du football, ne sont pas développées, c'est difficile parce que le financement de l'entretien repose exclusivement sur l'État et donc sur le budget public. On espère que la Côte d'Ivoire est un pays quand même puissant. Et ça, on en est fiers et on espère qu'on ne faillira pas, évidemment, à la tâche. Mais il va falloir songer vraiment à développer la politique sportive, à développer véritablement un sport professionnel en Côte d'Ivoire, de telle sorte à ce que ces infrastructures-là se financent et s'entretiennent d'elles-mêmes. D'accord. Bon, comme on est dans une émission où on dit ce qu'on pense également, est-ce que vous, Ousou Israël, et je vous poserai également la même question, est-ce que vous pensez que l'ONS peut gérer efficacement l'héritage de cette CAN? Non, je ne pense pas, parce que c'est pour ça que j'ai parlé d'hommes de ressources, parce que la plupart des membres de l'ONS sont des personnes sortant de l'INGS, ce ne pas des personnes qui ont forcément les capacités, les rudiments pour notamment entretenir les stades. Donc il faut s'entourer de professionnels. Donc ça veut dire qu'il faut trouver ces personnes ressources, des professionnels qui sont là, ou former des personnes à notamment l'entretien de telles infrastructures. Mmh. C'est pour ça que dans précédent discours, j'ai parlé de trouver des personnes ressources. Ouais, ouais. Mais tout à l'heure, on entendait dans le reportage déjà que différentes commissions avaient été, nouvelles commissions avaient été créées en vue d'optimiser la gestion de ces infrastructures-là. Après, est-ce que l'ONS en a la capacité? Peut-être, même si là, on est carrément dans autre chose que ce que l'ONS gérait avant, parce qu'elle a géré quand même deux grands stades de 1984 jusqu'à 2019 et que ces stades rentrent en travaux, c'est le stade Félix Houphouët-Boigny et le stade de la Paix de Boaké. Là, on a 6 stades, quand même 24 terrains d'entraînement, sans compter les cités CAN et tout ça. Donc, moi, je ne sais pas, il faut qu'on pense peut-être à un partenariat public-privé aussi, comme quoi, parce qu'aujourd'hui, les stades, c'est vrai que l'essence première d'un stade, c'est d'accueillir des compétitions sportives, en l'occurrence des matchs de football, de rugby ou des compétitions d'athlétisme. Mais en dehors de ça, ça reste une infrastructure qui peut abriter tellement d'activités économiques. Voilà, on parle aujourd'hui de supermarchés dans des stades en Europe, de boutiques, de locations même, de salles de mariage, de séminaires, dans des stades de bureaux, etc. Donc il va falloir développer vraiment toute une activité économique autour de ces infrastructures-là pour qu'elles puissent être pérennes dans le temps. D'accord, très bien. Allez, on va marquer la première pause de la soirée. Juste après la pub, on parlera de la Ligue des champions de la CAF. Vous savez que la SEC va jouer les quarts de finale, donc on va se projeter sur cette Ligue des champions de la CAF. Et puis, on parlera de la Ligue 1 l'ONACI. Donc restez avec nous, on revient dans quelques instants. Allez,
c'est déjà la deuxième partie de ce numéro de NCI Sport. Merci d'être avec nous. Je vous le disais, dans quelques instants, nous allons parler de la Ligue des champions de la CAF. Mais avant cela, je vous propose de faire un petit tour d'horizon de l'actualité sportive dans NCI Sport News avec Armel Yao Emoun. Plusieurs événements ont eu lieu cette semaine. On se fait un point. Basketball. L'ABC se renforce. Auteur d'une mauvaise entame de la saison, l'Abidjan Basket Club a décidé de renforcer son effectif. Les Fighters ont fait appel à deux anciens de la maison. Il s'agit du meneur James Westbrook et de l'ailier Asselin Serge. Deux renforts qui ont permis aux Rouges et Blancs d'accrocher leur première victoire de la saison le week-end dernier après trois matchs sans victoire. De bon augure pour la suite du championnat. Football. France-Côte d'Ivoire chez les U23. La sélection U23 de Côte d'Ivoire affronte son homologue de la France en amical. Pour ce rendez-vous, le duo Daolassina Boubacar Sanogo a convoqué 22 joueurs. Ce match est prévu le 22 mars 2024 à 17h30 GMT au stade Gaston Petit à Châteauroux. Football. Des experts FIFA au CNTF. Une délégation de la FIFA conduite par Fatou Bintou a séjourné à Abidjan du 12 au 15 mars dernier. Cette délégation est venue se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de rénovation du Centre technique national de Bingerville qui s'inscrit dans le cadre du projet FIFA Forward. Un projet qui permettra au centre d'avoir des bâtiments d'hébergement, un terrain synthétique relooké, mais également une piscine dont ne disposait pas le centre. Football, des légendes au Félicia. La Fédération Ivoirienne de Football, FIF, a annoncé l'organisation d'un match de gala le 13 avril 2024 au stade Félix Houphouët Boigny. Cette rencontre mettra aux prises des légendes du football africain et européen, conduites respectivement par Emers Faye et Robert Pires. Ligue des champions CAF, la SEC Mimosa retrouve l'espérance de Tunis. La Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions CAF. La SEC Mimosa a hérité de l'espérance de Tunis, deux équipes qui se retrouvent pour la première fois après 17 ans. Pour les autres affiches, le Simba SC tombe sur Al Ahly d'Égypte. Le TP Mazembe sera lui face au Petro Luanda et Young Africans face à Mamelodi Sundowns. La SEC Mimosa dispute le match aller le 30 mars prochain à Tunis. Et justement, Espérance de Tunis, ASEC Mimosa, c'est l'une des affiches des quarts de finale de cette Ligue des champions de la CAF. Est-ce un bon tirage pour les Mimos? Eh bien, nos consultants vont s'affronter tout de suite, à coup d'argument bien sûr, dans Confrontation directe. Alors messieurs, le principe est simple. Je vais vous poser des questions. Vous allez répondre à tour de rôle. Sauf que chacun d'entre vous aura 30 secondes par réponse. À la fin des 30 secondes, il y aura un gong qui signifiera que votre temps de parole est épuisé. Donc c'est bon, on y va, c'est parti. Et on commence avec vous, Nasser Hedi. Espérance de Tunis, est-ce un bon tirage pour l'ASEC Mimosa Top Chrono? Eh bien non. C'est pas un bon tirage pour la SEC Mimosa. C'est d'ailleurs parmi les trois potentiels adversaires donc, que pouvait affronter la SEC Mimosa, à savoir Young African, TP Mazembe et l'Espérance. Donc l'équipe que je ne souhaitais personnellement pas en tant qu'Ivoirien, en tant que supporter, je ne me le cache pas, de la SEC Mimosa aussi, pour quatre raisons. Déjà, statistiquement, c'est l'équipe, l'Espérance, qui a réalisé la meilleure phase de groupe de cette compétition-là. Et puis, je reviendrai sur les autres arguments. Peut-être en seconde question. Oussou Israël, même question, est-ce que c'est un bon tirage pour la SEC Mimosa? Top chrono. Mais moi, je dis oui. Je dis oui parce que déjà, quand on prend les dernières confrontations en Ligue des champions, en 2005, match aller, pareil, on fait 0-0, on les bat au retour. En 2007, les dernières confrontations, pareil, dans les mêmes configurations où on joue le match aller chez eux, on fait 0-0, on les bat chez nous 2-0. Mais en plus, là où je ne suis pas aussi d'accord avec Nasser, c'est qu'on n'a pas les craintes parce que quand on prend les confrontations en poule, on a pratiquement les mêmes statistiques. 3 victoires pour la SEC, 2 nuls, 1 défaite. Et pareil pour l'Espérance Tunis. Alors, fin du chrono, très bien. Les résultats de la SEC ces dernières semaines en championnat vous rassurent-ils en vue du match aller prévu le samedi 30 mars prochain?
top chrono pour vous, Nasser Elly. Non, clairement, il ne nous rassure pas. Et pas que les résultats en championnat. Même les résultats en Ligue des Champions, le dernier match de poule face à Simba a été très poussif. Ensuite, en championnat, il y a eu un match nul concédé face à l'AS Dengele d'Odienné. Il y a eu une défaite cinglante et qui a fait parler, qui a fait couler beaucoup d'encre face à l'Azid à Ben Gourou, une équipe en totale difficulté. Oui, sous Israël ne me dira pas le contraire. Et hier, il y a eu cette victoire, mais vraiment au forceps et poussif face à Mouna FC. Donc non, on n'est pas rassuré du tout. Ousou Israël, est-ce que vous êtes rassuré par rapport aux derniers résultats de la SEC Mimosa? Pareil que, je dirais pareil que, si on prend les derniers résultats, je suis pareil que ce que Nasser dit, mais je pense que ça peut s'expliquer quand même. Ça s'explique du fait que la SEC a besoin de faire tourner, la SEC a besoin de récupération, et c'est un peu difficile parce que là même en plus, on met encore un match mercredi, donc ça va être encore difficile parce qu'il faut vraiment, quand on a vu les derniers matchs, il faut vraiment que ces joueurs-là puissent bien récupérer pour affronter la séance du Nice. D'accord. Allez, dernière question pour vous, messieurs, dans cette confrontation directe. Et on commencera avec vous, sous Israël. Est-ce que vous voyez l'ASEC Mimosa se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions de la CAF? Top chrono. Moi, je reste optimiste. Comme je l'ai dit, quand on passe sur les stats, si on prend les dernières confrontations 2005 et 2007, l'ASEC est passée. Donc, je reste optimiste et on était dans les mêmes configurations. Donc, match aller en Tunisie, match retour chez nous. Et Julien a l'expérience, il sait comment gérer ce genre de match. Donc, il faut aller chercher déjà le match nul et puis au match retour, on va tout donner. Nasser Elly, est-ce que vous voyez... Alors, enlevez le côté fan, hein, évidemment. Est-ce que vous voyez l'ASEC Mimosa se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions africaine? Top chrono. Ben oui, je garde cet espoir-là malgré tout. Et pour deux raisons quand même. Parce que en parlant des points qui ne m'encourageaient pas, c'était le fait que l'ASEC vraiment flanchait dans les matchs couperés en Afrique du Nord. Mais là, pour le coup, l'ASEC recevra au match retour au stade Félix Houphouët-Boigny. Et la deuxième raison, c'est qu'en 5 oppositions à SEC Espérance de Tunis au stade Félix Houphouët-Boigny, la SEC s'est toujours imposée. Donc, il y a certains signes qui montrent que la SEC passera normalement ce cap. Eh bien, ce serait bien quand même pour la SEC d'arriver jusqu'aux demi-finales. Merci beaucoup, messieurs, de vous être prêtés à cette confrontation directe. Et justement, l'Espérance de Tunis, est-ce un bon tirage pour la SEC? C'était la question face cam de cette semaine. Eh bien, voici quelques-unes de vos nombreuses vidéos dans le face cam de Marco Seri. Oui. L'Espérance de Tunis est un bon choix pour la SEC. Mais après, chaque match a ses réalités. Hein. On a tous vu ici ce qui s'est passé à la CAN. Donc, il ne faudrait pas sous-estimer l'adversaire. La SEC Mimosa doit se donner corps et âme pour éliminer son adversaire. Effectivement, c'est un bon tirage. Une fois que les équipes du Maghreb soient des bêtes noires des équipes ivoiriennes, mais c'est un bon tirage. On sait déjà à quoi s'attendre avec les Maghrébins. Donc, si la SEC s'appuie sur cette expérience-là déjà, je crois que l'expérience de Tunis est un bon tirage pour la SEC. C'est un club à prendre très très au sérieux, qui est un très beau football. Vu que aussi qu'on a perdu notre attaquant Choquet, qui nous marque des buts comme il se doit, quand il rentre, qui fait la différence, qui est M. Sankara, qui est parti à d'autres horizons. Nous comptons bien que la SEC peut faire la différence et se qualifier pour le prochain tour. J'ai confiance en la SEC Mimosa. Je sais que par la grâce de Dieu, on va aller loin. L'espérance de Tunis ne me ferait pas. Vu le niveau que la SEC a montré lors des phases de poule, ils pensent que parmi toutes ces équipes-là, il n'y a pas une équipe vraiment qui faisait peur à la SEC. Voilà, ils pensent que la SEC, avec ce qu'ils ont déjà montré, ils ont le niveau pour rencontrer n'importe quelle équipe parmi ces 8 équipes-là. Eh bien voilà, hein, merci beaucoup pour ces nombreuses vidéos que nous recevons avec beaucoup, beaucoup de plaisir tout au long de la semaine. Facecam, c'est votre séquence dans cette émission. Alors, de la Ligue des champions de la CAF, on va passer à la Ligue 1, l'ONACI, puisque ce week-end, nous avons joué la 19e journée de cette Ligue 1. Eh bien, voici tous les résultats et les classements et le classement de cette articulation. Débutons ce point de la 19e journée de la Ligue 1 par le Derby du Nord. Samedi, au stade Robert Champroux de Marcoury, l'association sportive du Dengele d'Odienné est lourdement tombée face au club Omnisport de Korogo, 6-0. Boaki FC n'a pas fait le poids devant la FAD d'Abidjan Plateau. Les hommes du Bekay ont sombré 2-0.
à Yamoussoukro, la SOA a défait Zomo FC 1 but à 0. Au stade Auguste Denise de San Pedro, l'ISFC de Sassandra a battu le Sol FC d'Abobo 3 buts à 1. Au stade Biakaboda de Gagnoa, le Sporting Club n'est plus souverain. Après le Racing Club d'Abidjan, les hommes du fromager ont encore mordu la poussière devant le Stella Club d'Abidjan, 3 buts à 0 sur leurs installations. Hier dimanche, au stade Félix Houphouët Boigny, le leader RCA a été surpris par le stade d'Abidjan, 2 buts à 0. En clôture de cette 19e journée, la SEC Mimosa a renoué avec le succès en punissant sur le fil le Mouna FC d'Akoupé, 1 but à 0. Au classement, malgré sa défaite, le Racing Club reste solide leader avec 37 points, devant le FC San Pedro, 35 points, et Zomo FC, 33 points. Après son succès, la SEC Mimosa, avec un match en moins, est 5e et se trouve à 7 longueurs du leader. Le stade d'Abidjan fait un bond qualitatif en se hissant au 6e rang, devant le CO Korogo. Au bas du tableau, les journées passent et se ressemblent pour Boaké FC, toujours l'antenne rouge de la Ligue 1 avec 11 points. Alors messieurs, qu'est-ce que vous retenez de cette 19e journée de Ligue 1 l'ONACI? On commence avec vous, Nasser Elie. La deuxième défaite de la saison du leader incontestable et incontesté jusqu'à maintenant, le Racing Club d'Abidjan, qui s'est littéralement effondré hier au stade Félix Houphouët Boigny face à un stade d'Abidjan sur courant alternatif cette saison. Le stade d'Abidjan, c'est comme ça, capable du meilleur comme du pire. Et hier... Voilà, ils ont offert le meilleur avec encore, il faut le souligner, un grand Gbowo Sylvain dans les buts. Mm-hmm. Oussou Israël. Marqué par la défaite de l'AS Dengele, quand même, c'est assez lourd parce que jusqu'à présent, on n'avait pas un AS Dengele qui prenait autant de buts. Donc un peu surpris, mais bon, quand on voit aussi le début du match, pour des professionnels comme nous, on était quand même inquiets parce que les meilleures occasions de but de match étaient pour l'AS Dengele. Malheureusement, ils ne les mettent pas au fond. Mais prendre jusqu'à 6 buts, on est quand même assez un peu inquiet par rapport à cette fin de saison, par rapport aux performances de l'équipe de l'AS Dengele. D'accord, très bien. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose? Ah bon, d'accord, j'ai cru que vous me faisiez signe, c'est pour ça. Allez, il est temps de marquer une nouvelle pause. Juste après la pub, eh bien, on va vous proposer un petit thermopro avec nos tops et nos flops de la semaine. Et puis, on terminera avec un inside et ce soir, un inside MMA. Ouais, alors restez branchés avec nous, on revient dans quelques instants. Et ça passe vite, c'est déjà la troisième et dernière partie de ce numéro de NCI Sport. Eh bien, on espère que vous passez un agréable moment en notre compagnie. Nous sommes toujours avec nos deux consultants de la soirée, Oussou Israël. Ça va Oussou? Tout ça se passe va, bien? Ça va très bien. Ouais, on vous voit souvent assez grincheux, grognon sur les terrains. Mais là, ça fait plaisir de vous voir quand même souriant. Voilà, donc voilà, continuez à sourire, ça vous va bien. Et puis Nasser Eddy, ouais, égal à lui-même. Ouais. Quel plaisir d'être là. La force tranquille, Nasser Eddy. De parler de ce qu'on aime et puis voilà. D'accord. Allez, encore quelques sujets à vous proposer ce soir. On va se rendre à présent hors des frontières de la Côte d'Ivoire pour évoquer les performances des athlètes ivoiriens. C'est dans le Thermopro avec Alex Payne et Marco Seri. À l'approche de la trêve internationale, comment se sont comportés les footballeurs ivoiriens dans leur club? Après la pluie, le beau temps pour Amad Diallo. L'ailier de Manchester United a inscrit son premier but de la saison dimanche contre Liverpool au bout des prolongations sur cette frappe bien croisée. Malheureusement, le Mancunien a cependant écopé d'un second carton jaune, synonyme d'expulsion, pour avoir retiré son maillot lors de la célébration. Amad Diallo est quand même le héros du match, score final 4-3 en faveur des Red Devils. Toujours en Angleterre, il fait bon vivre pour Datro Fofana. L'attaquant de Burnley a inscrit un nouveau but contre Brentford samedi en Premier League. Sa célébration du coup du marteau en dit tant, orageux pour Wilfried Tsengo, toujours en Ligue 1. Malheureux face au FC Lorient de son compatriote Mohamed Bamba, le défenseur de l'AS Monaco a poussé dans ses propres filets ce ballon renvoyé par la transversale. Mais le latéral ivoirien s'est rattrapé en étant à l'origine du centre qui emmène le but égalisateur des Rouges et Blancs. Les deux équipes se sont quittées dos à dos, 2-2. Sa performance est de taille, son club s'est imposé 2-1 contre Laval.
Le temps est doux du côté de la Belgique pour Wilfried Kanga. L'attaquant du Standard de Liège a inscrit un but et délivré une passe décisive lors de la large victoire 4-0 de son équipe samedi contre KS Pen en championnat. 9 pions et 3 assists, tel est son bilan cette saison. Enfin, en Espagne, Jonathan Bamba vit de beaux jours ensoleillés. Il était passeur décisif dimanche sur cette superbe finition de Jørgen Larsen. Le Celta Vigo s'est offert le scalp du FC Séville en Liga. 2-1, score final. Ah, donc, assez belle semaine hein, quand même pour nos athlètes ivoiriens. Alors, Nasser Eddy, avez-vous réussi à sortir un top et un flop communément appelé Toflo? Et je salue Stéphane Zunon. Et il a qu'à se dépêcher, hein, vraiment, d'aller déposer ça à qui de droit. Bref, oui, ouais. Les Toflo de la semaine. C'est ça. Ben, puisqu'il fallait bien retenir quand même un top parmi cette pléiade-là, ben, je fais ressortir quand même Diakité Oumar. Le Ourourou. Voilà, oui, le Ourourou qui confirme et qui est sur sa lancée. Franchement, 5 matchs, 3 buts, une passe décisive. Et au-delà de ses... donner cette passe-là. Donc oui, Oumar Diakité, c'est mon top de la semaine. Et on peut dire que la CAN lui a fait du bien. Mais énormément. Et la plupart d'ailleurs, on a l'impression qu'ils sont transfigurés dans leurs différents clubs. Même ceux qui n'y ont pas participé. Hein. Je pense à Datro Fofana, par exemple, aussi. Et tout. Donc là, c'était votre top. Top, oui. Et votre flop, allez, tant qu'on le flop, oui, j'ai quand même été un peu déçu par Willy Boly, voilà, en défense de Nottingham Forest face à Luton Town samedi, un match que NCI, d'ailleurs, a diffusé en direct. Pour ma part, il a été laxiste quand même sur le but égalisateur de Luton Town en toute fin de match qui a occasionné le match nul concédé par son équipe. J'ai trouvé à court de rythme quand même. C'était son premier match titulaire depuis le retour de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, voilà, il va falloir très vite se remettre pour Willy Boly dans le rythme. D'accord. Oussou Israël ? On est parti pareil. Hein, sur allez, top, le top. Oui, on est parti pareil. Sauf que moi, voilà, le top sur Diakité Oumar, qui est en confiance en ce moment. Ouais. Et je crois que le club l'a repositionné à un poste où il est en train d'exceller. Il est beaucoup plus repositionné dans l'axe. Donc, je pense qu'il faudrait aussi y penser pour la sélection. On ne sait jamais. Ça peut nous sourire. Après, voilà, d'accord avec Eddy sur le flop par rapport à Willy Boly, mais ça s'explique parce que depuis qu'il est revenu de la CAN, on ne l'a pas fait jouer. Donc, je pense qu'il a besoin de rythme, donc il a besoin de revenir rapidement à la compétition. Après, il y a Datro parce que... il a quand même un deuxième but là qu'il aurait pu marquer. On va sur cette action-là. Pour quelqu'un qui voilà, envisage de venir en sélection A, je pense que c'est des occasions comme ça qu'il devrait notamment mettre ses statistiques. Donc voilà. Bon, après, la semaine a été tellement bonne hein, pour les athlètes ivoiriens qu'il voilà, fallait trouver un flop. Bon, allez, on lui concède. Mais oui, hein c'est juste un flop, on va dire un flop d'encouragement. Qui aime bien, châtie voilà, bien. Qui aime bien, châtie bien. Parce qu'on connaît ses compétences absolument. Et on a envie de le voir avec l'équipe A. Absolument, absolument. Eh bien, très bien. Allez, dernier sujet de la soirée, hein, puisque le temps avance tellement vite. En ce mois de mars dédié aux droits de la femme, eh bien, notre inside de ce soir se porte sur une jeune athlète. Elle fait du MMA et son rêve, devenir championne du monde dans sa catégorie, pardon, à l'UFC, Yves Rizvet, Hervé Kiesse, Armel Yao et Marco Seri nous la présentent. Regardez. L'athlète que nous visitons est une passionnée des arts martiaux. Elle en a pratiqué plusieurs. Le taekwondo, la boxe anglaise, le kickboxing ou encore la lutte africaine. Aujourd'hui, elle fait du MMA. Elle a 24 ans. Elle s'appelle Kwasi Aminambakan et nous nous intrusons dans son univers. Bonsoir le père. Salut championne. Ça va bien. Alors comment ça se passe tes entraînements? Ça se passe super. Super bien. C'est où ça tu t'entraînes? Je m'entraîne là-bas. Donc on y va pour aller visiter. Ok. Championne. Tu vas nous parler un peu de tes débuts avec les arts martiaux. Comment ça a commencé? Je regardais la télé avec mon papa et je regardais les films de Jet Li. Je lui disais que ça me plaît, je veux devenir comme eux. Il dit non, c'est pas bon pour la femme que de passer à autre chose. Un jour, je passais devant une école et arrivé là-bas, j'ai vu des personnes en train de faire le taekwondo. Et le maître
m'a prise, m'a adoptée. Il s'appelle Maître Abou. Je le salue au passage. Et il m'a formée au taekwondo. Et c'est de là, un peu, je suis arrivée jusqu'à aujourd'hui dans le MMA. C'est mon coach Joël. Oui. C'est lui qui me forme, c'est lui qui m'apprend à travailler, c'est lui qui me motive vraiment. C'est grâce à lui que je suis championne. Allez coach, enchanté. Enchanté chef. D'accord. Alors rapidement, la séance d'entraînement, comment ça va se passer aujourd'hui? On va travailler beaucoup le physique. Parce que quand on vient au bord, on s'appuie beaucoup sur le physique. Cardio aussi. Voilà, donc ce qui va nous amener à travailler à des exercices de fractionnés, de coordination. Elle fera un peu de power avec le quad d'Ibri qui est là. Voilà, donc je suis en train de préparer un petit truc pour elle, de sorte à ne pas trop la fatiguer aussi après, parce qu'elle a déjà fait le footing et puis on a tellement travaillé en semaine. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup résistance, quoi. D'accord, allez, donc on vous suit. Ok, merci. Elle va faire le saut là. Non, pas là-bas, elle commence ici. Viens, amène-la. Commence déjà à te chauffer. À faire tes étirements. Commence à faire tes étirements parce que je sais que tu es déjà chaud comme tu viens de courir. Ok, étirement. Les hommes ont peur de moi souvent. Mais ils trouvent que c'est que j'ai du courage. Parce que ce n'est pas toutes les filles qui font du MMA. Même les hommes, ce n'est pas tous qui font du MMA. Mais je tiens le coup. Non, tu ne touches pas, garde la distance, tu ne touches pas. Allez, go. Super. C'est bon? Oui, c'est bon. Tu as bien récupéré? Oui, j'ai récupéré. Ok, super. Donc, on va passer maintenant avec les pads. Ça va lui permettre de réviser ses techniques. Ça va travailler aussi son cardio. Okay, puisque tu es en MMA, on va aller chercher la jambe. Et lui va éviter de prendre que tu lui prennes à la jambe. Donc, je viens chercher. Bam, bam. Ok. Ok. Pour avoir bien la tête levée. Ok, va le chercher, va le chercher, va le chercher, prends la jambe, essaie de prendre la jambe, essaie de la prendre. Super. Déjà, il faut dire que ce matériel, c'est le protège tibia, voilà, et comme son nom le dit, il protège le tibia, surtout que ici, on n'a pas de sac adéquat et on travaille ici un pneu. Tu vas commencer par les low kicks, voilà, tu fais deux low kicks en bas, un middle au milieu, quelque part ici. Okay. Donc sois bien précis. Allez, go, c'est parti. 1, 2, boum. Encore. 1, 2, boum. Bon, je travaille dans la difficulté, comme je l'ai dit. Hein. La sueur épargne le sang. Plus tu travailles dans le sable, sur le pneu. Bon, quand on travaille sur le pneu, ça rend les pieds solides. Dans le sable, ça te rend léger sur le ring ou l'octogone. Championne, ouais, le travail n'est pas facile, c'est ce que je constate là. Oui, c'est pas facile. Alors, quelles sont les difficultés que tu rencontres dans la pratique de ton métier? Bon, la difficulté que je rencontre dans la pratique de mon métier, c'est j'ai des grands frères qui m'entraînent, des papas qui m'entraînent, j'ai un manager, mari qui n'a pas les moyens, il pense à moi souvent. Mais côté le transport, c'est compliqué. Souvent, je finis de m'entraîner, je bois baka, galette, c'est pas bien. En tout cas, c'est vraiment pas facile. Il n'y a pas de sponsor, il n'y a même pas de salle. Bon, vous-même, vous voyez, il m'entraîne sur les punais. Si vraiment Dieu peut toucher le cœur de quelqu'un pour venir m'aider, même avoir les gants, avoir une salle, vraiment, c'est quelque chose. Alors, championne, dis-nous, quels sont tes prochains challenges? Ah, le vieux, bon, français, ça là, c'est du fou, essayer de voir comment tu peux parler encore. D'accord, dis-moi, quelles sont tes ambitions? Qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? Bon, c'est pas idiolefiaillé, hein. C'est pas pour parler, pour ne rien dire. Mais je veux devenir une championne du monde, comme Francis Ngannou à l'UFC. Ah, d'accord. Ok, mais tu vas m'apprendre un peu comment on combat au niveau du MMA. Bon, c'est parce que tu es un garçon, hein. Tu n'es pas mon mari. Mais si je dois frapper mon mari, si un jour il me trompe, ça dit que je vais faire exemple le jab, cross, low kick. Okay. Donc vous allez essayer ça un peu. Jab, cross, low kick. Bah voilà, c'est la fin de ce Inside. J'espère que vous avez beaucoup appris sur cet athlète atypique. On va se donner rendez-vous lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Eh oui,
elle s'appelle Kwasi Amenan Bakan. Et bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais Iboris, il n'était pas très rassuré. Il n'était pas très serein hein, à la fin. Hein. Bon, alors messieurs, une femme qui pratique le MMA, impression comme ça. Ah, bah, c'est, elle est beaucoup, elle est courageuse. Hein. Après, j'ai des inquiétudes pour son petit ami ou son mari. Oh, voilà. Mais déjà, ce qui m'impressionne déjà, c'est sa volonté, son courage. Ouais. Et comme je le disais là, hors antenne, c'est quand même assez dommage les conditions de travail pour quelqu'un qui a de telles ambitions de devenir championne. Il faut améliorer ses conditions de travail. Donc, elle a lancé l'appel. J'espère qu'il y aura des personnes. Et comme on nous dit qu'il y a une fédération qui existe, c'est ça. Voilà, il va falloir que cette fédération-là vraiment essaie de faire ce qu'il faut pour l'aider à être dans de bonnes conditions pour se préparer à atteindre l'objectif. C'est ça, hein, effectivement, hein, tous ces sports, donc, que ce soit le kickboxing, le muay thai, le MMA, sont réunis au sein de la fédération de sport pieds-poings. Voilà, et alors, vos impressions, Nasser Hedi ? Ouais, c'est une bouffée d'air frais quand même, on découvre, et puis elle a ses rêves, et les rêves, c'est peut-être la seule chose qu'on ne puisse enlever à un être humain. Voilà, moi, tout ce que je peux lui donner comme conseil, c'est de persévérer, de continuer, de forcer le destin un peu, parce qu'on voit, où vous parlez des conditions dans lesquelles elle s'entraîne, mais on voit, elle est au stade même primaire des besoins, même en termes de nourriture, de transport, elle ne les a pas. Je ne parle même pas de matériel de travail. Mm-hmm. Là, c'est carrément un autre niveau. Donc, voilà, elle a au moins ses rêves, et ça peut lui permettre d'aller loin. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait, justement, quelle solution hein, pour aider tous ces athlètes qui pratiquent les arts martiaux et qui n'ont pas forcément de moyens, comme cette jeune dame? Ah, c'est déjà de voir, en termes de, on va dire, de financement des fédérations, où ils en sont. Est-ce que c'est des fédérations qui arrivent à avoir des moyens, un peu comme la Fédération ivoirienne de football et autres, parce qu'on sait que c'est difficile pour certaines fédérations d'avoir des financements qui leur permettent de véritablement aider leurs athlètes ou d'aider les clubs qui font partie de ces différentes fédérations. Donc, c'est d'essayer de voir comment améliorer ces financements-là pour permettre à ces clubs-là aussi de pouvoir se perfectionner, mais aussi de voir aussi le fameux problème même au football, le problème de sponsoring, trouver un mécanisme qui puisse permettre aux sociétés, aux différentes structures de sponsoriser les différents athlètes et clubs. Après, il y a une nuance quand même qu'il faut apporter. Ce n'est pas aux fédérations de financer les clubs dans les autres sports collectifs ou les athlètes dans les sports individuels. Mais c'est aux fédérations de créer les cadres nécessaires pour générer une économie autour du sport en question pour pouvoir apporter du financement et drainer des fonds. Voilà. Mais ce n'est pas un problème que rencontre seulement la Fédération ivoirienne de sport pieds-poings. Encore moins seulement le sport de MMA. Donc, c'est une réflexion globale quant au développement de l'économie sportive Côte d'Ivoire, comme on en parlait dans l'héritage tout à l'heure. Quand on sait surtout qu'en décembre 2014, il y a la loi qui a été votée sur le professionnalisme du sport, on se demande 10 ans après pourquoi il n'y a pas de... Mais vous savez, en Côte d'Ivoire, franchement, on est champion dans les textes. On a tous les textes, et ça, je peux vous l'assurer. En Côte d'Ivoire, on a tous les textes. Mais lorsqu'il s'agit de passer à l'application, là, c'est autre chose. Et c'est là qu'il faut vraiment... On espère que le Premier ministre, qui est aujourd'hui responsable du ministère des Sports, va véritablement passer au professionnalisme, parce qu'on ne peut pas voter une loi et 10 ans après, il n'y a toujours pas de professionnalisme. Bon, en tout cas, voilà. Votre appel, on l'espère, aura été entendu. Très bien, ben merci beaucoup, hein, messieurs. On lui souhaite beaucoup, beaucoup de courage et vraiment une bonne continuation à cette jeune dame, cette athlète de MMA qu'on a pris beaucoup de plaisir à vous faire découvrir ce soir. Allez, les prochains rendez-vous sport, je vous les donne. Hein. Samedi, Côte d'Ivoire-Bénin à suivre en direct sur NCI. Lundi, NCI Sport, hein, bien évidemment, de 20h30 à 21h30. Mardi, Côte d'Ivoire-Uruguay, toujours en direct sur NCI. Et quant à moi, je vous retrouve demain matin. Ouais, alors pas sur NCI, sur Nostalgie dans le Crazy Morning. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Allez, merci à tous. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et à très, très bientôt. Bye bye.